La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h, l'actualité se vante au 5 décembre, elle est entièrement presque consacrée à l'avènement de Jésus, le divin enfant né, et partout les chrétiens célèbrent la nativité du Christ, nous ferons le tour, messe catholique, culte protestant, la joie de Noël, la joie partagée par les enfants, la solidarité envers tous, Noël dit à raconter ce soir dans ce journal. Nous parlerons aussi football avec la D1, cinquième journée, à suivre tout particulièrement. Le résumé à Estogoport, Wikinti de Bassar. Et puis, musique, la 15e édition des All Music Awards a tenu ses promesses. Les meilleurs de chaque catégorie ont été primés avec une note de satisfaction pour les mélomanes de la musique togolaise. Et voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue aux 20h. La messe de Noël pour commencer donc. Tout le monde s'y rend, ou presque, pour saluer la naissance de l'enfant Jésus, le Sauveur. Rendez-vous encore honoré ce 25 décembre par les fidèles catholiques. Ils étaient nombreux ce matin à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-Likame ou encore au Sacré-Cœur de Jésus à Lomé pour la célébration. Le récit est Kwesala. C'est un mardi de l'année, pas comme les autres, ici à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-Likame. Par des chants, louanges et adorations, ces fidèles catholiques remémorent la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes. Noël renouvelle toujours la naissance de tout chrétien. Et de là, tu sauras que oui, vraiment, il y a un changement dans ta vie. Ça représente une régénération parce que nous nous rappelons du passé, la manifestation que Dieu a fait envers nous les hommes. Nous nous sommes rassemblés ce matin pour commémorer cette naissance et rendre gloire à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée de nous envoyer son Fils pour nous sauver. La célébration de Noël est une grande célébration. Jésus, en tant que Fils de Dieu, s'est fait naître. Il n'est pas arrivé, il ne s'est pas parachuté, mais il s'est fait naître. Donc cette célébration doit interpeller chacun de nous. Ici, à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, les messages à ce jour de Noël sont tirés de l'Évangile selon Saint Jean. Monseigneur Denis Amouzou-Diakpa a invité l'Assemblée chrétienne à suivre les traces de Jésus-Christ. Elle est appelée à passer de la parole aux actes dans sa vie de tous les jours. Jésus est venu dans le monde pour nous apprendre à aimer et lui l'a fait lui-même là dans l'exemple. Aimer, c'est vouloir le bien de chacun. Aimer, c'est donner sa vie, mais pour ceux qu'on aime. Aimer, c'est consentir aussi au sacrifice, comme la maman qui ne mange pas pourvu que son enfant mange. Elle le fait de bon cœur, sans aucune rancœur. Alors, en ce jour béni, Jésus nous invite tous à laisser une place dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers. Jésus est venu retisser l'alliance entre Dieu et les hommes. On a brisé l'alliance avec les premiers parents qui n'ont pas écouté Dieu. Alors Jésus vient nous dire, le projet de Dieu ne peut pas échouer. Il vient restaurer l'homme dans sa dignité de fils et de fille de Dieu, dans sa dignité de frère et de soeur de Jésus, dans sa dignité de demeure de Dieu dans nos vies. Alors, passons de la parole aux actes. Passons de ce que nous entendons à ce que nous faisons au jour le jour. La fête de Noël a une portée spirituelle forte. Elle est apparue au calendrier chrétien au 4e siècle à Rome. La date du 25 décembre fut choisie pour sa proximité avec le solstice d'hiver qui s'accompagne depuis des temps des rites païens. Cette célébration connaît l'importance qui lui est accordée aujourd'hui en raison de son caractère magnifique et émouvant. Il est donc né le divin enfant, attendu par tous, à Dapaon, chant de louanges et d'adoration accueilli là aussi, à la cathédrale Saint-Charles de Dapaon, l'avènement de l'enfant Jésus, reportage de Désiré Aloge. <t'->
Christ est né, bonne nouvelle pour le monde chrétien. Fête de la nativité, éclosion de joie, il faut rendre gloire à Dieu, le tout miséricordieux. À la cathédrale Saint-Charles-Louanga de Dapan, c'est la joie pour les chrétiens catholiques. Le Sauveur est né, Jésus qui vient apporter l'allégresse. La venue du Christ, c'est un cadeau de Dieu. Comme Dieu nous a tant aimé, qu'il nous a donné son Fils, la joie qui nous anime, c'est parce qu'il a effacé nos péchés. La naissance de Jésus-Christ, c'est un nouveau départ pour nous, les hommes. 25 décembre, c'est la nativité du Christ et il y a la joie partout dans nos familles et nous attendons que la paix règne dans nos foyers, dans notre pays et qu'il nous assiste dans notre vie quotidienne. Dans son homélie, l'abbé Bernard Noumen, se basant sur Ésaïe 52, versets 7 à 10 et Hébreux 1, versets 1 à 6, a convié les uns et les autres à l'amour du prochain. Christ est un cadeau de Dieu et à nous, hommes, créés à l'image de Dieu, d'avoir le sens de partage et créer la paix autour de soi. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est l'annonce du salut pour le peuple déporté. C'est le signe de la fidélité de Dieu qui n'a pas oublié son peuple. Des messagers annoncent la paix afin que Dieu, notre roi, vienne consoler son peuple et toutes les nations verront le salut de notre Dieu. La naissance de Jésus doit nous remplir de joie. Christ né dans la simplicité doit rester la lumière envoyée par le Créateur à tous les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, de cultiver la paix et l'amour autour de soi. Noël célébré donc ici et là ce 25 décembre, ce n'est pas néanmoins une exclusivité catholique. Ils étaient nombreux également ce mardi de Noël à partager à travers les Saintes Écritures la joie de la venue du Christ le Sauveur. Reportage à Apegame de Carmel Magiaka. Fidèles de l'église évangélique presbytérienne célèbrent Noël, la naissance du Christ Jésus, sauveur de l'humanité. Ici, à la paroisse évangélique d'Apegame de Lomé, l'ambiance est festive. L'église est bien décorée pour cet événement particulier. Dans sa prédication tirée de l'évangile selon Luc au chapitre 2 du 1er au 20e verset, le prédicateur, pasteur Maoulé Gbemou, a invité le peuple de Dieu à vivre une vie nouvelle. Le seul moyen par lequel ils peuvent hériter du royaume de Dieu. Thème dégagé pour ce jour dans notre lectionnaire, pour notre église, c'est que la naissance de Jésus-Christ t'invite à une vie nouvelle. Et quand on parle de vie nouvelle, ça veut dire que nous devons renoncer à une vie ancienne qui est la vie mondaine. Nous devons maintenant vivre selon ce que Dieu nous a prescrit. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons laisser certaines habitudes, des habitudes mauvaises, que les comportements qui n'honorent pas Jésus-Christ. Cette vie qui doit en réalité nous amener vers la vie éternelle. Noël marque la venue du Christ dans ce monde. Cette fête de la nativité interpelle donc à tout chrétien à recevoir ce cadeau de Dieu, le don le plus parfait pour l'humanité entière, son Fils Jésus-Christ qui donne la vie, l'amour et la paix. Et tout à côté, pour ceux qui connaissent très bien Lomé, la capitale, à la cathédrale Sacré-Cœur, nous sommes là de nouveau avec les chrétiens catholiques. Eh bien, la célébration a commencé depuis hier. La messe de minuit chrétien a donné le ton des festivités avec cette image d'humilité symbolisée par l'enfant Jésus né dans la mangeoire. Le récit d'Augustin Cossy. «
Une crèche bien garnie et religieusement aménagée, symbole d'un peuple qui attend l'Emmanuel, l'enfant Jésus. La nuit est profonde, les carillons résonnent. L'annonce est faite, l'enfant de Bethléem est né. À l'intérieur du temple, la famille chrétienne est réunie pour accueillir celui qu'elle appelle le prince de la paix. C'est la nuit de la nativité de l'enfant Jésus, une des solennités de la religion chrétienne catholique qui a traversé des âges. Jésus-Christ nous communique d'abord sa paix parce qu'il est le prince de la paix. Et c'est aussi une fête de partage et d'amour, et surtout une fête de simplicité. Au cours de cette messe pontificale qu'ont célébrée, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amos Diakba, exhorte le peuple de Dieu à renoncer aux actes de vengeance. Une exhortation qui se veut un plaidoyer en faveur de la paix. C'est lui qui apporte la paix dont nous avons tous besoin pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre cher pays, le Togo, pour l'humanité tout entière, car il est lui-même le prince de la paix. Il est en outre la justice, la vérité qui libère, qui sauve. Il est la vie dans toute sa plénitude. En l'approchant davantage et en l'accueillant ainsi, avec beaucoup d'amour, de confiance et d'espérance, nous deviendrons, au jour le jour, beaucoup plus humains, beaucoup plus compréhensifs, beaucoup plus remplis d'attention et de délicatesse les uns pour les autres. Celui que tout le peuple d'Israël attend est enfin là, moment solennel où le peuple debout exulte de joie. On se souhaite joyeux Noël et l'Emmanuel va demeurer encore dans le cœur des enfants et surtout et ceux qui se font enfants. Minuit chrétien donc chez les catholiques. Image à présent de l'attente puis de l'avènement du divin enfant chez les fidèles protestants. Au commentaire, Luc Assis. C'est dans la joie et l'allégresse que les fidèles chrétiens protestants de la paroisse Apegame de Lomé ont accueilli la nativité de Jésus-Christ, sauveur du monde. Une nativité qui donne l'espoir d'une vie nouvelle en Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus et lui donnent leur cœur. Pour ces fidèles, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur. Et à ce titre, il est donc venu sur cette terre pour expliquer aux hommes ce que son Père attend d'eux pour les rendre heureux. Il leur envoie un message de paix et d'amour. Jésus-Christ, il est venu dans le monde. Il est mort sur la croix. Et à travers lui, nous avons été sauvés. Et donc, c'est ça qui nous anime à chaque fois. On se rappelle toujours de ce acte que Jésus a eu pour nous. Et à chaque fois, on commémore la journée du 25 ou du 24. Moi, en tant que fidèle chrétien, la fête de Noël me dit qu'un sauveur nous est né et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Ce que nous tous nous faisons sur la terre n'est jamais suffisant. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses et puis il y a encore le temps de se repentir. Journée mémoriale où ces chrétiens se souviennent encore de la venue de Christ. Une belle occasion de rappeler à ses fidèles ce que devrait être leur engagement dans leur cheminement chrétien. Nous nous rappelons de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous nous sommes rassemblés
pour se rappeler de cet événement et dire un grand merci au Seigneur. Les trois textes retenus pour ce soir ont pour thème « Réjouis, ton Christ, ton Sauveur est né ». Christ est le Sauveur de l'humanité. Et on nous rappelle ce soir de nous mettre dans cette ambiance de réjouissance parce que le Sauveur est né et il est venu pour qu'ensemble nous aussi nous pouvons dire « ouf ». Et c'est une question de foi. Vrai moment de bonheur et de partage, la communauté chrétienne protestante ici présente a pu contempler le savoir-faire des enfants de cette paroisse qui ont présenté des sketchs et récité des versets bibliques. Et pour la fête et pour Noël, Lomé, vous le savez, a brillé de mille feux. Lomé, ville lumière, le temps de la nativité. Certains carrefours de la capitale ont principalement attiré, vous allez le voir, beaucoup, beaucoup de curieux. Lucassie. La fête de la nativité s'est poursuivie dans les rues et coins de Lomé après les différents messes et cultes de menus chrétiens. De la sortie d'église, certaines familles sont allées se procurer les derniers cadeaux pour les enfants. La ville de Lomé décorée pour la circonstance scintillait de mille couleurs. Les rues, les carrefours, les ronds-points et les statues ou monuments dégagent une attraction particulière. Les uns et les autres viennent profiter de cette décoration à travers parfois des prises de vue pour immortaliser l'instant. Tandis que certains ont choisi de se balader à travers les rues de Lomé pour vivre l'ambiance de la fête de Noël, d'autres ont choisi de s'offrir quelques verres dans les bars ou restaurants. L'on constate qu'ils vivent l'instant présent à fond et profitent au maximum de l'ambiance. Pour certains tenanciers de bars et de restaurants, c'est une belle opportunité d'affaires, leur saison comme on dit, puisque l'influence y est. Et qui parle d'affluence, parle de chiffre d'affaires. Nous avouons que nous avons reçu plus de personnes que les semaines passées. Il faut avouer que l'atmosphère ne prêtait pas à ce que nous soyons prêts à recevoir ce monde. Et heureusement, beaucoup sont venus. Et c'est une chance parce que avec ça, tout le monde repartira joyeux et heureux à la maison. Et nous aussi, nous gagnerons. De la plus belle des manières, chaque Loméen, ou du moins ce Togolais, essaie de passer au mieux cette fête de Noël, seul ou en famille. Et Noël et l'ambiance qui a régné dans la ville de Lomé hier. Direction maintenant, la place de Noël. Et pas un seul passant qui ne marque pas d'arrêt. Là, l'histoire de la nativité y est retracée. À l'intérieur, la crèche, le sapin, les rois mages. Plus besoin de relire forcément la Bible. Toute la scène y est reproduite. Plus facile à comprendre. Donc, Rachel Aoukou. D'un mouvement de doigt, tout s'illumine. Bienvenue à l'espace Noël de Togocel, un endroit quelque peu féerique qui vous renvoie à toute l'histoire de la nativité de l'enfant Jésus. Vous êtes à Nazareth. Comme à l'annonce de la nouvelle, reconnaissez les rois mages, l'Emmanuel dans la mangeoire et la Sainte Famille. Ici, tout ébloui, tout conquis. C'est bien, il y a plein de choses que l'on peut regarder pour s'en souvenir. Il y a des choses de l'ancien temps. On peut regarder bon Marie, la naissance de Jésus-Christ et autres. Il y a des puits, tout ce qui était dans les anciens temps. Regardez Jérusalem, les puits, et comment les fleurs et tout cela. Ce sont des choses et qui peuvent réveiller les mémoires des gens compte tenu de la naissance de Jésus. Donc je trouve le lieu est très bien. Devant que tu veux la paix, comme le thème le dit, moi c'est mes frères c'est moi. Mon frère c'est moi, nous devons savoir que ton prochain est comme toi. Ce que tu aimes, tu dois savoir que ton prochain aime ça. Et ce que tu n'aimes pas, tu dois aussi savoir que ton prochain n'aime pas ça. Donc nous enfants togolais, j'ai demandé à ce que nous soyons unis
pour le bon développement de notre pays. Le leader de la téléphonie mobile l'a voulu ainsi et chaque année pour donner une touche particulière à Noël. C'est devenu une tradition pour cet espace-là, le rond-point du commissariat central. C'est tout un symbole que Togo Cellulaire offre à la population de Lomé et aux enfants surtout. Ici, c'est une représentation un peu de ce que c'est que la nativité. Donc la fête de Noël, ce qu'elle représente, c'est un peu une représentation de l'histoire. C'est une manière à Togo Cellulaire de souhaiter une joyeuse fête de Noël à tous les Togolais. Tout est lumineux, tout est luisant. Et les premiers témoins du dévoilement de cet espace se prêtent à satiété à la contemplation de cet univers créé. Chacun et chacune immortalise l'instant présent admirablement. Et la tradition, c'est aussi du repas chaud dans les plats pour tous à Noël. Enfants de la rue, personnes âgées, prisonniers et autres couches défavorisées. Le cas encore cette année, à l'initiative depuis 16 ans, la communauté Santé d'Idio. Le repas de Noël à déguster dans ce reportage de Gérald Agoutou. La communauté Santé d'Idio, section Togo, a semé la joie dans les cœurs des couches vulnérables en ce jour de la nativité. À Tikpa, à Didogomi, à Gwenifé, Saminami, Didjoli et la prison civile de Lomé ont été ciblés. Une action de bienfaisance que la communauté Saint-Égidio place sous le thème « Avec les pauvres, construisons des ponts de paix et du vivre ensemble ». La communauté Saint-Égidio a sa particularité. Elle se fait mendiant pour les pauvres parce qu'elle n'a pas les moyens, mais elle se dit « Là où il y a un pauvre, la communauté intervient ». Intervient à travers une personne. Les enfants ou les personnes âgées ou les pauvres avec qui nous travaillons sont très contents parce que c'est un moment pour eux. Quand nous regardons ailleurs où il n'y a pas ce repas, ils sont tristes. Mais ici, ces enfants-là ont une joie parce que ils ont découvert une beauté de vivre ensemble avec les autres. La Noël nous rappelle cette amitié, cette unité entre Dieu et les hommes. Les gens ont toujours ce cœur généreux, mais il faut savoir toucher leur cœur, savoir les approcher et leur demander. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs chaque année pour pouvoir récolter des moyens pour organiser ce repas. Et parmi ces bonnes volontés se trouve le ministère en charge de l'action sociale. Le gouvernement togolais accompagne cette initiative dans un élan de solidarité envers les couches démunies. Les enfants qui sont là, c'est les enfants démunis, c'est les enfants de rue, c'est les enfants qui sont déscolarisés. Donc nous leur apportons notre soutien sur le plan technique et aussi sur le plan appui en vivre et non vivre afin que ce qu'ils sont en train de faire là puisse effectivement atteindre les populations et surtout ces enfants qui sont les cibles concernées. Dans sa mission de préservation de la paix, de lutte contre la pauvreté et d'intercession à travers la prière, la communauté Saint-Égidio enregistre déjà 50 ans d'activité. Son siège est basé à Rome en Italie et est présente dans plus de 80 pays dans le monde. Et du repas pour tous et bien plus ici, vous allez le voir, je concours dans ces cadeaux. Les enfants de la rue ont été spécialement gâtés par l'ONG Enfants Espoir pour tous cette année. C'est la troisième édition de cette marque de solidarité, Mon Noël à moi, Sonia Modipo. Les enfants de rue et ceux des femmes portefeuilles ne sont pas oubliés en ce jour de la célébration de la nativité. L'ONG Enfants Espoir pour tous vole à leur secours. Des vivres, des jeux de concours de danse et d'interprétation de chansons, puis distribution de cadeaux aux enfants, le tout dans une ambiance de convivialité. Pendant les fêtes comme la fête de fin d'année, Noël, qui est consacrée aux enfants,
certains enfants se retrouvent complètement seuls et commencent par développer en eux des sentiments de frustration, de colère et d'abandon. Ce qui crée plus tard un adulte qui peut être très violent ou qui peut être aigri ou qui peut ne pas accepter son entourage. Donc, enfant espace pour tous, c'est demander comment faire pour pouvoir réduire l'écart qu'il y a entre les enfants qui ont des parents et qui vivent bien et ceux-là qui sont soit orphelins, soit très démunis ou soit des enfants de rue. Donc voilà, cette année, c'est notre troisième édition. Nous avons prévu des cadeaux de vêtements propres, donc des habits, du savon, des pâtes, des brosses à dents, pâtes dentifrices, des tapettes et autres à l'intérieur. Ce qui fera que chaque enfant qui va prendre ce cadeau, il a en lui un kit d'habillement et d'hygiène. Au-delà du festif, l'ONG Enfants Espoir pour tous développe également d'autres programmes sociaux en faveur de ces enfants afin de leur permettre de se prendre en charge. Enfants Espoir pour tous a 4 domaines d'intervention. Il y a le domaine de la formation. La formation concerne des jeunes. À part ça, il y a d'autres jeunes démunis qu'Enfants Espoir pour tous forme et essaie de coacher pour être des entrepreneurs. Nous avons le domaine agricole. Enfants Espoir pour tous est aussi proche des femmes rurales. Donc l'année prochaine, en 2019, nous allons coacher 10 groupements de femmes qui produisent des produits maraîchers. Nous avons aussi les activités citoyennes comme l'utilisation des poubelles. Plus de 200 enfants ont bénéficié de ce programme, troisième du genre dénommé Mon Noël à moi. Après Lomé, l'ONG se rendra à Kétao puis à Sotoubois, toujours pour la même activité. Ils ne sont pas oubliés non plus, les enfants démunis de l'orphelinat à Solingobou, c'est à Sokodé. Voici leur kit de fête avec la marque Bojoum. Comme de coutume, le ministère de l'Action sociale, à l'orée des fêtes de fin d'année, offre des vivres et non-vivres aux enfants orphelins. Noël, fête des enfants, moment propice d'exprimer l'amour qu'on porte envers les enfants. Cette distribution des kits de vivres et non-vivres permettra de donner le goût de la fête de Noël à ces enfants démunis. Cette opération intitulée ou dénommée Noël solidaire édition 2018, qui a pour but d'offrir la joie de la fête aux enfants, nous a permis de distribuer des kits festifs aux enfants. Ces kits sont constitués de boîtes de sardines, des boîtes d'huile, des boîtes de tomates et également nous avons donné aux enfants des jouets, des biscuits. Nous profitons de la présente occasion pour adresser nos reconnaissances et nos sentiments de gratitude au ministère de l'Action sociale et à travers lui à l'ensemble du gouvernement pour avoir pensé à ces enfants orphelins et à ces enfants démunis. Le projet Noël solidaire aux enfants orphelins et démunis, édition 2018, a été un succès grâce aux différents donateurs et partenaires financiers. Dans le reste de l'actualité, nous parlons maintenant musique avec la 15e édition des All Music Awards. L'événement a tenu toutes ses promesses. Les meilleurs dans chaque catégorie ont été primés avec à la clé une satisfaction au passage donc pour le public de la musique, le public, les mélomanes de la musique togolaise. Reportage à suivre. Des acteurs de l'univers musical togolais honorés et récompensés pour l'ensemble de leurs œuvres au titre de l'année 2018. À travers leurs chansons et leurs réalisations, ils ont impacté positivement la culture togolaise. Ainsi, les trophées de meilleurs artistes masculins et féminins de l'année reviennent respectivement à Black T Igwe et à Djouavi Sika. Et ceux de meilleurs albums et de meilleurs beatmakers sont allés au jeune Centrinos Raphaël pour son tout premier album Quoi en moi et son beatmaker Douglas. Mmh.
Je ne peux que dire merci à Dieu, merci à tous mes fans, merci à mon staff, merci à tous qui me soutiennent. Vraiment, ce trophée, c'est pour nous tous. La maison de réalisation Famous People de Kofi Assiamoua et Snowfless sont aussi honorés à cette soirée en remportant les trophées de meilleurs réalisateurs et de meilleurs clips vidéo. Les trophées de meilleure chanson lover et du tube de l'année soulevés par Carole avec son morceau Eva Eva et Deep Lies avec son hit Guignepo. Victoire remet le trophée de la meilleure chanson lover à Carole. All Music Awards 2018, ce sont 15 meilleurs de 15 catégories primées pour cette 15e édition de cet événement. Porté par Zephyr FM, All Music Awards a favorisé l'inclusion et la promotion des artistes togolais. Nous fêtons la 15e édition. Les artistes sont sortis nombreux, le public, les fans sont sortis nombreux. Et je crois que vous avez vu la fête qui a prévalu dans la salle. Et donc, une fois encore, satisfaction pour le comité d'organisation. Fofo Scarfo et Laura Ashley s'en sortent de cette soirée riche en émotions et en musique, des trophées de meilleurs rappeurs et de meilleurs artistes gospel de l'année. Des corbeilles de la révélation et de la découverte de l'année, le jury a misé sur El Miliano et Didier Massuel selon les critères en vigueur. L'édition 2018 des All Music Awards rentre dans l'histoire avec plusieurs prix spéciaux décernés à divers acteurs pour services rendus à la musique togolaise. Et voilà donc ce reportage tout en ambiance de Luc Assis de la 15e édition des All Music Awards. Allez, on va refermer cette édition sur les images. On reste dans le tempo de la fête. C'est Noël aujourd'hui, 25 décembre. Allez, regardez donc ces images. Ici, c'est la place des martyrs que vous regardez tout en ambiance.
notre marché monde. Si c'est toi pas, nous pas crever. C'est pas faute li sinistre. Si riche pas gay en abondance, nous même pas voulons pas besoin de rien. Franchement toujours gay tourner. Mais son pape joue, plonger dans la mer. Tonton Noël. Et voilà, c'est sur ces images, ces belles images, j'ai envie de dire, de Lomé, la capitale, que se referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez de Lomé, la capitale, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Joyeux Noël.